construire des maisons entièrement avec des matériaux recyclés. C'est le pari que s'est lancé Dan Phillips il y a 12 ans. Pour aider les familles modestes à devenir propriétaires, cet ancien professeur texan a créé une entreprise de bâtiments utilisant uniquement des matériaux de récupération. Pour moi, c'est quand même honteux de jeter des matériaux de construction alors que certaines familles font tout ce qu'elles peuvent pour avoir leur propre maison. Ce sont des matériaux gratuits pour au moins 80% d'entre eux. Ça permet de construire une maison pour pas grand-chose et en plus d'être créatif. La créativité, Phillips n'en manque pas. Escalier en os, salle de bain en mosaïque, ces maisons sont uniques et sont même devenues des attractions touristiques. Mais elles sont aussi écologiques et leur prix est imbattable à partir de 10 000 $. Phillips reçoit des donations énormes de matériaux autrement destinés à la déchetterie, à tel point qu'en 2004, il a créé un programme de recyclage qui permet aux associations et aux familles les plus pauvres de se procurer du matériel gratuit. Une initiative qui arrange bien la municipalité. Ça nous fait faire des économies. On n'a pas à payer le ramassage pour se débarrasser de tous ces déchets. Et puis surtout, ça n'encombre pas la déchetterie. Dan Phillips ne se contente pas de bâtir. Il tente aussi de convaincre les autres de l'importance aujourd'hui de développer des maisons bon marché. Car les besoins sont grands dans un pays encore ébranlé par une crise immobilière profonde et où près de 2% de la population vit dans des mobil-homes.